Bienvenue sur Booster à la chaîne, et aujourd'hui, comme vous pouvez le voir, c'est pas un display, enfin un playmat Pokémon, c'est un playmat Splatoon avec donc Io et Oli, ou je sais plus comment elle s'appelle, c'est Kali et Marie en anglais, mais j'ai pas les noms en japonais. Et aujourd'hui, on va ouvrir une boîte un petit peu particulière, enfin SM1 Plus, donc la boîte de renforcement de la toute première gamme en fait, enfin du tout premier set d'extension de Soleil et Lune. Et donc c'est principalement un set que tu vas retrouver parce que c'est des cartes qu'on a déjà vues en fait dans la première dans nos vidéos Lune et Soleil. Oui. Mais par contre, elles sont toutes reverse et il y a des nouvelles GX dedans. D'accord. Donc bah, c'est parti, on va ouvrir ça rapidement. Donc on voit ça sûrement en deux parties parce que j'ai envie vraiment de profiter de cette boîte, vu que bah, les boîtes japonaises on n'en ouvre pas tous les 4 matins. Voilà. Et donc moi mon but à moi déjà c'est de piocher une carte plus que ultra parce que c'est assez dur apparemment dans ces boîtes-là. Et aussi et surtout de piocher soit Archiduc, soit Lucanon, dans peu importe la forme. Même si c'est une GX normale, je serais très content. Donc en général, oui, je vais éviter d'abîmer la boîte aussi. Elle n'a pas envie de s'ouvrir, voilà. En général, il y a trois. Ok, d'accord, merci. Elle avait vraiment pas envie de venir. Il y Ce a trois. débat. Il y a trois. Oh, ouais, ce débat. Il y a trois ultra rares dedans, ou mieux, bien sûr. Il me semble pas qu'il y ait d'holographique. Si, il doit y en avoir, mais je me trompe sûrement. Qu'est-ce que je voulais dire? Il est possible qu'il n'y en ait que deux des ultras, mais ça me ferait très très chier, malheureusement. Vous avez la liste des cartes, encore une fois. Je sais plus du tout si. Oui, je crois qu'il y a 51 cartes et le reste, c'est des cartes vraiment rares. Hein. Oui, c'est ça. Donc, je vais commencer pour le coup. Non, c'est bon. Hop, je vais te piquer ça. Et donc, vous allez voir qu'il n'y a pas d'insert pour le coup. Bah, je vais Je peut-être en effet commence la un petit pousser, t'as peu. raison. Hein. Et on va commencer. Alors, il y a toujours sur les 5 cartes une énergie à l'intérieur. Donc, on aura une énergie fée. Un cocon baffe qu'on a déjà vu. Hein. Encore une fois, tu le reconnais, je pense. Exact. Thiboudet qui fait partie des nouvelles cartes. Alors, donc, ça, c'est Plumeline en forme. C'est la quatrième forme, c'est la forme de la quatrième île. Donc, je ne sais pas comment on appellerait ça. J'appelle ça une geisha personnellement, mais je pense que c'est pas ça. Et on aura. Alors, ça, c'est le temple de la lune. Donc c'est celui qui apparaît dans bah, Lune, forcément. Je vais peut-être pas. Là c'est des cartes classiques, donc. Et puis t'en ouvriras aussi de temps en temps quand même, parce que Oui, pourquoi bon, pas. je suis pas là pour faire la boîte seule. Hein. Si tu es là, c'est pour déjà me regarder. Non, c'est pour ouvrir des choses aussi. Les cartes sont assez fines d'ailleurs, je te laisserai en prendre une ou deux tout à l'heure, tu verras, elles sont. Donc énergie acier. Tétard qu'on avait vu donc hein, bien sûr. Exact. Brindibou, Brindibou. très bien, très bien. On aura bah, encore une Encore une Plumeline, mais cette plume, c'est fois-ci une c'est autre la forme. forme, c'est la seconde forme, c'est la forme de la seconde île, donc c'est la forme hawaïenne hein, plus ou moins, danseuse de hula. Et on aura, c'est marrant ça tient, une Plumeline et un Et temple un comme sur temple. la. Hop, donc vous pouvez voir les deux temples. Donc apparemment ça c'est donc c'est des nouvelles cartes pour cette extension aussi. Bah, tiens vas-y, ouvre le prochain. Vas-y. C'est des cartes qui apparemment seraient bien jouées d'après ce que j'ai compris, vu que c'est des sortes de terrains qui permettent de faciliter le placement des cartes. Donc forcément Soleil ça va être le feu et Lune ça va être Psy je crois. Non, Ténèbres. Même chose. Exactement. Allez. Donc, une Alors énergie ce que feu. j'aimerais bien aussi parmi le booster c'est qu'on arrive à avoir toutes les énergies. Ce Ah serait oui, ce plutôt serait pas cool. mal. Hein. Le petit art qu'on De a Yoshi déjà Woolly vu. Worm. C'est un petit peu ça, oui, c'est à ça que ça fait penser. Cosmog. Mince, moi aussi j'ai perdu son nom. Otarlette, non? Otarlette, merci. Et lui c'est. Mince. Et lui, malheureusement, je le connais pas. Enfin, je le connais pas. Déjà vu, mais de nom, non. Malheureusement. Bourinos. D'accord. Hop. Donc il y a assez peu de cartes, hein. Il y en a 51 classiques. Et ça compte les GX, hein. Donc sachant qu'il y a déjà énormément de GX dans le set, ça va faire très très peu de cartes. On va se retrouver souvent à avoir les mêmes cartes. Mais ce qui est cool, c'est que bah, forcément elles sont reverse. Donc, Alors, on aura une énergie de type Psy, un Hautaquin, un Chrysaphile.
je ne sais plus du tout ce que c'est. Et on aura, yes, voilà, Lucanon GX. C'est cool, c'est très très cool. Bon, après, elle rend moins bien que la Full Art, mais elle est vraiment très belle. Et puis, bon, bah, c'est Lucanon, donc c'est, j'approuve forcément. Et ouais, très voilà, très bien. C'est fait. Merci à tous, à bientôt. Allez, ciao. Donc, oh oui, bien sûr. On va la mettre là. Comme ça, vous aurez la carte visible entièrement. Bah, vas-y, oui, refaisons. Je me permets. Donc, ouais, ce serait cool que je puisse piocher un... Bah, vu qu'on a pioché Lucanon en version normale, ce serait cool qu'on puisse le piocher soit en Full Art, soit la version Full Art de Archéluc, qui est magnifique. Mais vraiment, elle est très très belle. Pour moi, l'avantage, c'est qu'elle n'aura pas mis trop longtemps à tomber. Oui. C'est pas comme une certaine comme ça, ouverture de paquet. Oui, c'est bizarre, hein. Étrangement, ça me rappelle quelque chose. Donc, une énergie fée, c'est notre première... Pas mal. Larvibule. Donc, ça veut dire qu'on a les trois, normalement, si je te dis pas de bêtises. On a pioché aussi Chrysapile. Ouais, super, ouais. On a la ligne évolutive complète. Flamiaou. Vas-y. Donc, Cosmo quelque chose. Cosmo Vroom, comme je l'ai appelé exactement la dernière fois. Cosmo Vroom, ça me semble très bien. Oh oui, Solgaleo, donc c'est une incommune, vu que, comme je vous disais, il n'y a pas de rare outre les holographiques, et il n'y a pas d'holographique dans le set. Donc, c'est vraiment cool. On peut la mettre là, je pense. Bah, d'ailleurs, je peux peut-être vous montrer avant de continuer. Ah bah non, il n'y a même pas de... Vous n'avez même pas de checklist. Bah, c'est marrant, ça. Y a le checklist, elle est directement sur les boîtes, mais elle a pas le symbole de rareté ou quoi que ce soit. Et donc, ça en fait combien des paquets? Ça en, fait... ça en fait déjà... 3, t'en as 5, ça fait 6ème booster. C'est 6ème que tu ouvres, c'est ça. Hop, on va pousser ça, on va pousser la paire de ciseaux, parce que même si elle est très belle et qu'elle nous aide beaucoup, c'est parce que vous êtes venu voir. Puis on l'a déjà vu. Alors par contre, c'est vrai que quand on a des 4 reverse comme ça, on laisse vachement de traces de doigts. Oh, elle est très très belle, l'énergie plante. Quatermac. Vorastéri, qui a d'ailleurs une GX en tant que prédastéri. Mmh. Ça doit être le bandeau quelque chose. Et on aura donc Plumeline en version Pom Pom Girl, donc celle de la première île. Donc il ça, nous manque juste. Ça en fait 3 sur 4. Il nous manque juste la. Tiens, vas-y, faisons un autre. Donc ça c'était le 6ème, donc 7. Ouais, je te laisserai en faire un autre encore et puis j'en ouvrirai deux aussi. Et oui, donc c'est celle qui nous manque, c'est la Plumeline Flamenco, je vais y arriver. Flamenco. Alors, l'énergie feu qu'on a déjà eu. On n'a pas eu l'énergie eau par contre. Mimantis. Araquoa. Alors, ça, c'est. Ça il me semble que c'est une potion max, oui. Celle-ci. Ça y ressemblait en tout cas. Oh, et Absol. Donc, il ne fait pas partie du set de base, encore une fois. Et donc, on aura. Merci. Je vais éviter de te couper les doigts, ça serait bien. Oui, j'en aurais peut-être encore pratique. Un peu besoin pour la suite. Je suis en train de me demander si on va pas la faire en une seule ouverture, regarde. On est à 8 minutes, ça fait très léger pour un... Oui, bon, je on pense verra. Que ça doit pouvoir tenir. Je vais vous la montrer directement. Énergie fée, donc encore une fois une double. Hein. Ciseaux, pousse-toi s'il te plaît. Tiens, je te l'en. Bacabou. Petit art. Non, c'est juste des particules. Matoufeu, et on aura un super bonbon, ou rare candy en anglais. Bah écoute. Vas-y, je compte rapidement. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ouais, allez, vas-y, je pense qu'on va la faire en une seule vidéo, cette boîte. Elle a l'air d'être... Non, vas-y, j'ai fais-en un. Soyons fous. Mais il est fou. Complètement fou. Je me demande s'il y a un Floramantis aussi dans le set, je ne me souviens pas... Parce que ça m'étonnerait qu'ils mettent Mimantis sans mettre son évolution. J'ai vu l'autisme derrière la... Bon. Ah, une qu'on n'avait pas eue encore. Si, je crois. Mais vas-y, si continue. Voilà, quand je disais que j'ai vu l'autisme. Ah, c'est ça. Oui, ça se voit bien, par contre. Tétarte. Simularbre. Ah, très bien. Et flèche. Et flèche. Sympa aussi. Excusez-moi, je me permets. Bah, tiens, si tu veux en ouvrir un autre pendant que je fais les énergies. J'en enchaînerai deux ou trois comme ça. Ouais, on avait déjà eu une énergie On avait déjà eu, je l'avais oublié. Hop. Je pense qu'à la vitesse que ça va, il y a moyen de les compléter. Elles sont pas... Ouais, alors je sais pas combien il y en a en tout. Après, il n'y en a pas autant que les types, bien sûr, vu que tout ce qui est sol, roche et combat, c'est mis dans le même. Une plante. Larvibule. D'ailleurs, je suis en train de me demander, je crois qu'elles y sont pas toutes. Les énergies en plus. Oh. Burk. Ouais. Quelle horreur. C'est l'inferno. Préféré non plus.
Non, bah tant pis, hein. Écoute, c'est une GX quand même, hein. Exact. Bon, bah tant pis. Aïe, 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 aïe. Oui, non, mais la paire de ciseaux, elle est bien gentille. Elle est bien gentille, bah oui, elle est bien gentille. Et on aura donc une énergie de type psy, qu'on voit pas très bien d'ailleurs. Il va peut-être falloir que je monte la luminosité. Voilà. Oui, ça a l'air mieux. Alors, Ratata d'Alola, Thiboudet, Plumeline encore en forme GK, oui, bien sûr, Geisha, et donc très passable. Tiens, je vais en faire hop là, un autre. Allez, allez. Ça fait un petit peu trop longtemps que tu m'échappes, mon petit archiduc. Il est grand temps que tu viennes rejoindre papa. Je vais pas dire ce que je pense de ce que je viens de dire, mais Mais tu le penses très ouais, je fort. le penserai fort. Non, toujours pas de. Bah tiens, vas-y, à toi. Non, c'est parce qu'il est dans celui-là, c'est pour ça. D'accord. Bah, j'espère que ce sera. Non, mais quand je disais ça, je disais pour Plumeline. Hein, j'aimerais bien que même si tu m'ouvres une GX, j'aimerais bien que ce soit Archiduc, hein, s'il te plaît. S'il te plaît. Alors, énergie acier ou métal, je sais plus. Acier, ouais, c'est Si ça. c'est bien Le ça. terme français, c'est acier, en effet. Je les mets là, les énergies. Le brindibou. Dorastery. Marteau, je sais plus ce qu'il fait C'est celui-là. Crushing Hammer, mais c'est marteau fracassant ou un truc comme ça. D'accord. Et Cosmo Et Cosmo Vroom! Vroom. Bon. Allez. Bah, c'était pas dans celui-là. Oh mince, mince. Hop. J'ai saisi toutes les cartes là. Ah, ça fait trop bizarre, elles sont trop fines. Oh mince quoi! Non mais ça se trouve on les a toutes piochées et je le sais pas du tout. Flamio. Flamiaou, j'allais dire Flamiaous. Chrysapil. Ça doit être donc Hôtel de la Lune. Et on aura Ah la voilà. dernière Plumeline qui est très sympa. Je pense que si je me fais un Plumeline Shiny, une Plumeline Shiny dans le meilleur des cas, ce sera cette forme-là. Après l'avantage c'est que tu peux la changer si tu le souhaites. Tiens, bah, C'est j'en pas ouvre un mal. autre pour le moment. Et je te laisserai faire le prochain. Oui, c'est vrai qu'il y a aussi. Bon, après, ça ne me tente pas plus que ça. Il y a aussi Nymphali, tiens, dans le set. Hop. Là, on peut prendre notre temps pour le moment. On n'est vraiment pas loin au niveau vidéo. On aura une énergie plante. Un petit art. Mimantis. Un aspirateur à énergie fée, je suppose. Et on aura Floramantis, donc elle apparaît bel et bien dans le set sous forme normale et elle est plutôt sympathique. Donc il nous manque Lunahala en carte normale, Tarpeau et d'autres cartes, je pense, mais on a dû voir la plupart des nouvelles cartes en tous les cas. Allez, fais-moi Alors, rêver avec une énergie énergie feu, feu. Bacabou, Tétart, Matoufo. Matoufeu, merci. Et donc ça, je sais toujours pas ce que Et c'est. non. Là, je t'avouerais que vraiment, je le sais pas non plus en français. C'est un truc avec des énergies qui font des cercles comme un atome. Enfin, comme un atome, comme une molécule. Ah, t'essaies de lire en japonais? Recyclage d'énergie, je crois. Ah De oui, ce que ça doit être j'arrive à ça. lire. Oui, ça doit être ça. En effet, recyclage d'énergie. Hop là, excusez-moi. Comme ça sert. Ouais, un petit peu. Donc énergie psy parce que vous aurez remarqué qu'il sait un petit peu lire le japonais quand même. Thiboudet, Araquah, Otarlette et Ah, yes, yes! Archiduc GX. Donc ce sera pas une full art, mais j'ai eu ce que je voulais. Donc j'ai eu les deux cartes que je voulais, c'est cool. Après ouais c'est pas la full art, mais franchement je peux pas me Non, plaindre. mais Hein. déjà, elle est belle. Ouais c'est cool. Et donc ben bah, vas-y, allez, je me sens d'humeur. Généreuse. Mais pour l'instant, c'est Ça se passe très bien. plutôt une bonne pioche. Mika, une bonne pioche. Ah. Alors, une énergie fée qu'on n'a pas du tout vue. Ouais, mais c'est bizarre. Je pense qu'elles doivent pas toutes faire partie du set, à mon avis. Non, c'est possible. Quatermac, Larvibule, la ceinture de je ne sais plus C'est une quoi. ceinture, ça? Enfin, Bah, ça moi, a je l'air pensais que d'être c'était un un bandeau bandeau, ou une mais. ceinture, mais. Qu'est-ce que ça dit? À peu près, hein. Non, je ne Non, saurais pas tu dire. sauras pas dire. Et donc on Et aura Ratatac. Ratatac. Il en reste 3, donc 2, 2.
Hop. Bon. Si je pioche une GX, je te laisse ouvrir le dernier. Allez, s'il vous plaît, donnez-moi une GX que je puisse le laisser ouvrir. Ayez pitié de moi. Une énergie plante pour commencer. Un derp voli. Un concombaf. Plumeline et donc potion max. Et donc je suis désolé, mais je vais me charger du dernier booster. Et d'ailleurs, Sniff. des joues coulent sur mes larmes. Je suis triste. Sniff. Et donc, allez, je pense qu'on peut pas se plaindre, mais franchement, une petite full art, ce serait pas mal du tout. En même temps, comme je disais, j'ai vu une ouverture de 20 boîtes. Il n'y en avait même pas la moitié qui contenait des full art, hein. Ah oui, c'est décevant, quoi. Ouais, c'est surtout quand tu sais qu'il y en a énormément à collectionner. Hop. Donc ça, c'est une énergie feu. C'est fou, hein. Ratata d'Alola. Simularme. Et la dernière carte, ce sera un Tarambule. Donc, bien entendu, une boîte classique à 3 GX. Mais encore une fois, on ne peut pas se plaindre. Donc, le Solgaleo, je pense que c'était la carte normale de l'ouverture, clairement. Et toi, là. Toi, là, t'aurais jamais dû être dans cette boîte. Mais franchement, je ne peux pas me plaindre. J'ai eu les deux GX que je voulais. Et d'ailleurs, c'est moi qui les ai piochés. Toi, t'as pioché la Fée La Fée Infernale, il me semble. l'Enfer, Hein. exactement. Je suis vraiment très très content. Mais je pense que vraiment, celle qui me plaît le plus, ça reste le Lucanon. Hein. Faudrait qu'on puisse vous montrer le Lucanon Full Art. Il est tellement beau. Peut-être une prochaine fois. Mais là, pour le coup, je pense qu'on a assez dépensé en cartes pour le moment. Oui, ça fait déjà pas mal de boîtes. Ouais. Et donc, bah, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Moi, j'ai adoré la faire, surtout quand j'ai vu les pioches que j'ai obtenues. Et donc, on se retrouve très bientôt. Oh, plus ça, quand même. Que vous puissiez voir ce superbe playmat qui est vraiment, 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 vraiment très joli. Et je suis très, très jaloux. Et donc, je vais sûrement lui voler quand il ne regardera pas. Parce que je suis un vilain. Non, non, je plaisante, bien sûr. Hop. Une énergie feu et trois superbes GX pour terminer qui brillent de mille feux. Et nous, on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. Allez, à plus. À plus.